Bonjour, dans cette vidéo, vous verrez comment créer un portfolio dans Google Classroom. Si vous utilisez Google Classroom pour partager des travaux et des devoirs et que vous employez certaines fonctions comme les dates et les heures de remise, les grilles d'évaluation, l'ajout de notes et les commentaires privés, il sera facile de dresser un portrait de chacun des élèves au niveau des travaux et des devoirs. Pour ce faire, dans l'onglet « Participants », cliquez sur l'élève dont vous souhaitez voir le portrait de ses travaux et vous serez en mesure de constater l'ensemble des traces laissées sur chacun d'entre eux. Vous verrez les travaux remis en temps, ceux en retard, les travaux manquants, les commentaires privés, les pièces jointes, les notes, etc. Voilà donc une bonne façon de construire un portfolio pour chacun des élèves et de garder des traces qui pourraient être utiles pour exercer votre jugement professionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.